L'exposition Fred Boissonnat et la Méditerranée au musée Rath, à Genève, est consacrée à l'œuvre d'un pionnier de la photographie artistique. De la Grèce à Gibraltar, de l'Italie à l'Égypte, ses vues nous convient à un voyage dans l'espace et dans l'histoire de la photographie sous ses formes les plus multiples. 1887, Fred Boissonnat reprend l'atelier de photographie fondé par son père à Genève. Il étend bientôt son empire commercial à Paris, Lyon, Reims, Saint-Pétersbourg et à l'atelier de Nadar à Marseille. En parallèle, il rejoint le mouvement pictorialiste qui conçoit la photographie comme un art à part entière. Un voyage en Méditerranée va bouleverser sa carrière et lui ouvrir d'autres voies pour repousser les limites de la photographie. 1903. À 45 ans, Fred Boissonnat se rend pour la première fois en Grèce. C'est un tournant dans sa carrière. Il y retourne jusque dans les années 30 pour photographier les vestiges de l'Antiquité, mais aussi la société et les paysages dans toute leur diversité. Alors que la région traverse une période chaotique, les œuvres de Boissonnat vont jouer un rôle éminemment politique et renouvellent l'image de la Grèce sur la scène internationale. Publié en 1910, « En Grèce, par Monts et par Vaux » est un monument de l'histoire de la photographie. Ces images s'inscrivent dans l'histoire du philhellénisme, un mouvement de soutien à la Grèce dont Genève a été l'un des centres. Les arts de la Grèce antique servent de modèle à Boissonnat pour photographier l'énergie créatrice des danseuses et des rythmiciennes d'Émile Jacques Dalcroze. Le photographe embarque avec Victor Bérard pour Gibraltar, l'Italie, la Grèce et la Tunisie, sur les traces de l'Odyssée d'Homère. Leur enquête repose sur la tension entre réalité et imagination. Il entreprend une nouvelle mission, cette fois sur les traces de Saint Augustin. En Algérie, en Tunisie et en Italie, il associe photographie, littérature et histoire. 1929, le roi d'Égypte, Fouad Ier, commande à Boissonnat un livre monumental sur l'Égypte indépendante et son histoire. Au fil d'une campagne de plusieurs mois, il réalise plus de 4000 images, dont la plupart sont demeurées inédites. Elles illustrent un nouveau livre d'art qui paraît en 1932. Dans son dernier projet, il photographie le désert du Sinaï pour tenter de localiser l'épisode biblique du passage de la mer Rouge par les Hébreux. Il décèle le miracle dans la nature et les formes du relief.